Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Alors on va faire une carte cadeau, voilà. Donc pour faire cette carte cadeau, aujourd'hui je vais utiliser du papier dans ce bloc. Je vais choisir le noir, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Je vais utiliser pour décorer dans ce bloc ici. Voilà, après je verrai pour les décors. Alors, là on ne va pas utiliser de carte action puisqu'il va y avoir de la découpe et du pliage. Et qu'il va y avoir de l'épaisseur. Donc, j'ai déjà juste préparé la carte en elle-même, hein, le fond de carte. Pour gagner juste un peu de temps, et là c'est la partie la plus facile, donc je vais pas vous montrer vraiment comment ça fonctionne, je vais juste vous donner les mesures. Donc voilà ce que la carte va donner avec une épaisseur, voilà, de 1 cm. Donc la carte ici en elle-même, là voilà, comme ça, toute la longueur fait 29 cm sur 15 cm. Donc, vous allez faire un premier pli ici à 14 cm et faire un pli soufflé ici entre les deux qui fera 1 cm. Et donc, il vous restera là 14 cm. Ce qui vous donne une carte comme ceci. Voilà. Donc, ça, je vous l'ai déjà coupé parce que c'est la partie la plus facile du tuto, voilà. Donc, je vous répète, 29 en tout, 14, 1, 14 et 15 ici. Voilà, donc ça, c'est plus simple. Donc ça, quand c'est fait, on met de côté. Là où ça se corse, c'est pour la deuxième. On va prendre, pareil, une grande feuille, on va la prendre dans ce sens-là. Et ici, on va commencer à faire des traits. Alors, je vais essayer de voir, voilà. J'ai fait des petits pointillés, vous voyez. Pointillés, ça veut dire qu'il faut plier. On va plier, faire un premier pointillé à 1 cm. Et encore à 1 cm. Après, on laisse 12 cm. Un pointillé ici, ici. Donc, entre les deux, il y a 1 cm et on fait un petit trait pour le reste, voilà, à 1 cm. Donc là, ce qui fait en tout, vous avez 2 cm. Hein. Un pointillé, et là, ce sera la coupure. Là, là vous avez 12. Alors, 2 cm, 12 cm, et là, 2 cm en tout. Voilà. Et le reste, ce sera la partie qu'on va pas jeter, hein, on ne jette pas le papier. Ensuite, en haut, enfin la suite, là, vous allez me faire un pointillé à 12 cm de hauteur. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait j'ai fait un décalage. Donc le décalage fait 2 cm. C'est ce qui correspond aux 2 cm ici en bas. J'espère que je suis claire. Et donc, vous allez refaire un trait pour vous repérer avec les deux, avec 2 cm en haut. Comme ça, vous tracez un trait, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Entre celui-ci, le premier trait, là et là, il y a 1 cm. Donc, ce sera du pliage ici. Il y a 1 cm. Là, entre les deux, vous avez 12 cm. Encore un pliage ici. Donc, après les 12 cm, un trait pour le pliage. Il y a 1 cm. Donc, vous êtes à 13. Et là, 3 cm ici. Vous faites un petit trait. Et là, ce sera la chute de papier en haut. Donc, vous voyez, il ne reste pas beaucoup pour la chute. Donc, j'espère avoir été claire. Donc, cette partie ici, les 2 cm ici
Et là, vous repérez bien aussi vos 2 cm. Hein. Et les 2 cm qu'il y aura là, ce sera pour plier. Voilà. Là, ce sera ce qu'on va jeter. Et ici, en bas, c'est ce qu'on va plier pour fermer la boîte. Je suis pas claire ce matin. Non, je suis pas claire. Mais en le faisant, vous allez comprendre. Allez, je change la caméra de place. Je vais prendre mon plateau d'action, puisque celui-là, maintenant, on fait les plis. Hein. Pardon. Donc, je vais commencer déjà par couper ce que j'ai en trop. Donc là, je vais vous redire. On ne fasse pas d'erreur, normalement, c'est 16 cm. C'est bien ça. Donc là, vous allez faire une coupure à 16 cm. J'aurais pu mettre ma règle pour vérifier que je suis bien. Pourquoi là, on me dit 14? Je suis à 16 pourtant. Bah oui, c'est 16. Et là, je suis bien à 16. Ah, je vous jure. Bah oui, je suis à 16. Bon, c'est moi qui vois mal. Alors. Alors, par contre, on va pas aller juste... Ah, mais non, c'est là. Il est là, montré. Bah oui. Voilà, je suis bien à 16 cm. Oh. Je vous jure. Son papier bien droit. Voilà. C'est le matin. Hein? Faut pas que je fais des tutos le matin. Je suis pas réveillée le matin. Alors, ici, par contre, il va falloir qu'on coupe jusque-là seulement. Hein? Oui, vous avez un petit repère sur la lame. Voilà. Donc là, je vais couper au ciseau. Je fais tomber ma photo de mariage. Oula. J'ai coupé trop loin. Ah mince. Bon, ça y est, je mettrai du scotch. Il fallait que je coupe 1 cm plus haut. Voilà. Quand je vous dis que ça va pas. Et là, donc j'ai pas fait mon trait, il faut que je le fasse. Donc là, 1 cm. Donc ça y est, moi je remettrai un petit bout de scotch. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Ne faites pas attention à là. Mais bon, moi, je vais recoller. Maintenant, on va faire ces plis. Donc, on met la lame en haut.
Donc, je fais un pli de 1 cm. Et le dernier. Voilà. Et là. On va marquer nos plis aussi, quelque chose que j'ai oublié. Alors ici, je vais faire un pli à 3 cm. Un centimètre. Et là, alors que je regarde, que je ne me trompe pas. Et ici. Dans l'autre sens, j'ai oublié de faire mes repères, donc alors 1 cm, douze. Un centimètre. Bon, Edith, va te coucher, ça ira mieux. Non, mais j'ai bien fait de couper là, je crois. Et il est là, mon repère. Ah! Je vous jure, mais je vous jure. Alors, 12. 1. Voilà. Et 3. On va y arriver, les filles. Donc, déjà, je coupe le surplus. Je fais à 3 cm mon pli de 1 cm. Voilà. Et ici, alors où est-ce que j'ai fait mon trait? J'ai tellement bien fait que je ne le vois pas. Là, je refais donc. Je vous jure. Je vérifie. Hein. Je préfère vérifier deux fois, les filles, parce que là, il faut que j'ai 12. 12. Voilà.
c'est bon. Là, je vais faire mon pli de 1 cm. Et un autre, donc, pour faire mon creux. Voilà, on va y arriver. Hop, ça, j'ai plus besoin. Maintenant, je peux plier. Voilà. Je peux plier ici. Ça, on va venir le coller comme ça, ici derrière. Donc, le surplus, là, maintenant, ben, en fin de compte, j'avais bien fait de le couper. Mon erreur était bonne. Alors ici, vous pouvez faire une le couper en dentelle si vous voulez. Donc, ce qu'il faut, c'est que maintenant, ça se soit collé. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va prendre du double face. Donc, comme il est un peu plus large, je vais devoir le couper un peu, je pense. Profiter pour faire des coins. Je vais couper le double face qui est en trop. Ouh, il va falloir que j'achète le double face rouge hein, parce que celui-là c'est vraiment. Et j'ai pas fini mon stock. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est bien former votre boîte.
j'ai pas mon... Ah ben, j'ai ça. Je fais avec ça. Voilà. Et je vois que mon papier s'est craqué, là. J'ai appuyé trop fort en faisant le pli. Mais bon, ça, y a, comme c'est un tuto, il n'y a rien de grave. Voilà. Donc, voilà la boîte. Donc, ici, vous pouvez soit faire avec un aimant, ou prévoir pour mettre un petit ruban. Moi, je vais faire avec un... Je ferai avec un petit ruban, je pense. Voilà. Donc, cette boîte ira ici. Voilà. Comme ceci. Et comme ça, on peut refermer, voyez. Alors, d'abord, on va s'occuper de là. Voir le papier qu'on va mettre. Donc, comme ça fait 14 sur 15, alors 15 c'est la hauteur, on va faire 14 et demi. Et comme là c'est 14, on va faire 13 et demi. Alors, je vais lui mettre du double face. Voilà, comme ça je vais pouvoir coller ça dessus, ça m'embête, c'est ça. D'accord, je vais mettre un aimant, tant pis. Je vais mettre un tout petit aimant.
un tout petit aimant à 6 cm. Voilà, pour être bien au milieu. Après, je mettrai le deuxième. Là, du coup, je vais mettre un petit papier. Alors, le deuxième aimant, on le pose. Hein. Voilà. Et maintenant, on peut faire sa déco ici au-dessus. Donc, on va prendre. Je vais prendre celui qui brille. Donc, ça fait 12 cm sur 12, donc on va faire 11,5 sur 11,5. Voilà, hop, donc maintenant on va mettre sur le dessus. Voilà, une petite boîte, vous pouvez encore la décorer, hein, bien sûr. Là, maintenant, on va la fixer. Alors, on va le mettre bien au milieu. Voilà. Donc maintenant, il nous reste à décorer l'extérieur de la carte. Ici, soit vous laissez noir et vous écrivez en doré, soit que vous mettez un papier blanc que vous collez. Voilà. Alors, moi, je vais prendre en plus un ruban.
pouvoir fermer la carte. Donc ça, je vais le poser avant. Au milieu. Et bien sûr, hein, de l'autre côté, hein, sinon... Voilà. Donc maintenant, on va choisir les papiers. Alors là, on dit la carte fait 15. Sur 14. Donc on va faire 14 et demi. Sur 13 et demi. Ça, on va le faire deux fois. Et puis un devant et un derrière. Voilà. Notre petit, on glisse notre petit cadeau. Là, on va faire le papier bleu, papier blanc, pardon. Donc, je vais finir la décoration hors caméra. Je vous mets les photos juste après. Et comme ça, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, comme ça, vous voyez, vous n'avez plus qu'à fermer votre petite carte. Hop. Voilà, bon, là, le ruban est peut-être un peu long, mais bon, quoique. Donc là, je finis la décoration. Et comme ça, vous la verrez terminée, donc en photo, juste après. Donc voilà, voilà. Bon, malgré quelques petites péripéties, en ce moment, j'en ai toujours, hein, vous avez remarqué. Donc, ça vous fait donc une petite carte pour envoyer un petit cadeau. Et pouvoir mettre un petit mot en même temps. Voilà. Et
là, vous mettez votre petit mot. Donc, je vous dis, vous mettez un papier blanc que vous collez si vous le souhaitez. Ou alors, vous écrivez au crayon argenté ou au crayon doré, si vous avez choisi le papier noir, bien sûr. Ou si vous choisissez le papier blanc, bon, ben là, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce tuto, hein, avec ses hauts et ses bas. Et dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée, ces petites cartes cadeaux. Hein, donc, ça peut aller pour la nouvelle année, pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin. Pour, donc là, dans ce cas-là, bah, vous décorez votre carte suivant le thème du moment choisi pour faire ces petites cartes. Voilà. Allez, je vous laisse regarder les photos juste après pour voir la finition de la carte. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.